Salut à tous, alors on se retrouve en Porsche Cup sur le circuit de Monza, c'est la dernière manche de cette saison 1 2018 sur e-Racing. Donc je suis avec Laurent Benso sur le Discord, il est dans la course, il va être juste devant moi là. Je me suis qualifié 13e, lui il doit être 11e je crois. Il y a Yoni Ekinen, Cyril Rodriguez et Redface. Bon, je suis 13e e-Rating, je pars 13e donc je suis à ma place pour l'instant. On va essayer de finir dans le top 10. Mais c'est pas gagné, Monza c'est toujours délicat, surtout le premier freinage. On attend que les pilotes se mettent en gris. Il manque Laurent, je crois. Il va popper juste devant moi avec la livrée Timaire. Demain on se retrouvera pour le Blancpain Endurance Série. On a 4 équipages en tout. Ça y est, Laurent est arrivé. Ça va partir. Piste assez chaude, 40 degrés. Ça risque de patiner beaucoup au départ. C'était chaud, en plus il m'a coupé mon élan là devant. Ça y est, un de passé. On va essayer de recoller Laurent, qui est bien parti. Laurent qui a tout de suite pris l'échappatoire à la première chicane. Il a déjà fait quelques courses, il a l'expérience. Il sait que c'était une chose à faire. Il y a vraiment une connexion bizarre devant là, il a popé dans ma voiture au freinage. Gustavo là. Allez, on arrive sur la parabolique. Derrière, il s'est loupé comme moi. La parabolique, c'est le virage. On va voir comment, enfin, quel setup ont les gars. Soit dur derrière avec beaucoup d'aéro, c'est stable. Moi, c'est l'inverse. Dur derrière, peu d'aéro. Là, les slow, je suis obligé, le premier droit, je suis obligé de mettre une 3. Avec moins de 30 degrés, ça passe en 4. Là, la piste est trop chaude. J'aurais même pu mettre un cran d'aileron ou un cran ou deux même sur l'aileron arrière pour stabiliser, notamment dans la sortie de la parabolique. On verra. Ascari. Ah, c'est une patinoire à la piste encore. Vraiment pas de bol là. Suzuka, la dernière fois, la semaine dernière, c'était pareil. Une vraie patinoire.
14e pour l'instant, on s'est un peu fait enfermer au départ. Il faut être touché, c'est toujours ça. Ah, slow down pour lui. Il a dû couper à la chicane. Et du coup, il va être sous la menace de Samuel derrière là, la Porsche jaune. Et moi, je suis derrière Laurent. Je vais essayer de le recoller. Devant, il y a Richard qui est bon aussi. Qui est parti large. Là, il a largement le rythme pour rester devant moi, Laurent. Je crois que Laurent a un peu plus d'aileron que moi aussi. Peut-être la barre un peu plus souple derrière. Carton devant. Ah, y a beaucoup de monde devant. Ça risque de vite ralentir. Regardez-moi ce petit train là, et en plus derrière ça commence à recoller aussi. Oh là là, presque du contact devant. Ça promet devant, Laurent. Ouais, je veux pas trop me coller. Ah, c'est clair, ça bouge là. Ah, ils sont hors piste complet, les gars. Je pense que ça va bouger à la première chicane. Go right. C'était à prévoir. Ah, une touche vraiment légère. Ouais, je t'avais dit à cet endroit-là, de toute façon. Ça peut jamais passer. Allez, on continue. Laurent qui se loupe. Allez, on va prendre un joli slowdown là. Allez, remets-toi dedans. Ça va ralentir encore, je pense.
Derrière, ça a tiré large encore. Ouais, je pense qu'il va attaquer là. On va le laisser faire. Right side. Keep to the left. Clear on the right. Oh, le carton devant. Stop on the left. Go left. Go left. Car on the right. Clear. Oh, il y a eu du mouvement là. Pas facile hein, de rester derrière comme ça pour trouver ses repères de freinage. Vas-y, t'as relâché avant. Allez, j'ai l'aspi, on va pouvoir semer un peu derrière. Donc là, on a gagné pas mal de place. Ouais, 9e. Un slow down devant. Right side. Keep to the left. You're on the left, three wide. Ah, laisse la place. Hold that line. Clear all round. Il a vraiment joué avec le feu là, Michioye. Laurent m'avait prévenu avant la course. J'avais pas fait gaffe que c'était lui. Tu reviens sur la piste comme dans leur temple, quoi. Ah, Michioye, il a failli me faire une crasse là. C'est la guerre cette course, hein. À la fin, il n'en restera qu'un. Right side. Clear on the right. Right side. Clear on the right. On perd un temps fou à chaque fois dans les chicanes avec leurs conneries là. Le problème, c'est que les mecs, dès qu'ils peuvent doubler, ils doublent. Derrière, très rapide.
Là, ça va encore ralentir énormément à la première chicane. Ils vont s'attaquer. Reste 5 tours. J'avais même rentré la première pour être sûr. Évidemment, devant il a coupé. Il va sûrement devoir ralentir un peu. Ouais. Ah, il a pas le choix. On va devant, lui c'est mort. Right side, clear. Oh, c'est décalage au dernier moment quoi, Niturier. Le problème c'est que j'ai pas trop envie de les doubler parce que je sens qu'ils vont repasser direct après. Left side, clear on the left, car on the left. You're on the right, three wide, clear on the left, go right. Hop, ça c'est fait, je suis passé au travers. Ah non, bien joué. Je sentais trop venir. Salut Fala. Bonsoir messieurs. Eh bah tu l'as échappé belle cutie. Ah je sais. Attends Fala. Oui je sais. Oh le foutoir que c'est derrière là. Allez, moi j'essaie de me casser là. Putain, Laurent qui est revenu juste derrière. Ah, j'ai plus d'X, j'ai plus d'X. Ah, fais gaffe alors. Je suis à 15. Aïe aïe aïe. Je suis à 0, quoi, c'est dire. Ah, j'étais au milieu de toutes les merdes, moi. You got about 5 laps of fuel left. Ouais, combien je suis maintenant? 7ème. Oh, 7ème. C'est n'importe quoi cette course. Ils se sont tous neutralisés. Comme des grands. Il va rester 2 tours, 3 tours avec celui-là. Erreur et du coup il va revenir un peu là, ouais. Une seconde pile. Il a l'impression de plus
faire un pneu. Il va avoir la spi. Ah, la menace c'est Gustavo, mais mon 8ème ça m'irait quand même. Là il va avoir de l'aspiration. Là, je suis bien content de pas avoir mis trop d'appui, parce que quand je suis tout seul comme ça. Ah, j'ai plus de gomme. Derrière pour lui, ça c'est sûr, vu comment il est parti large. Le souci c'est que ça peut lui faire gagner du temps. Ah, j'ai perdu l'arrière là dans Ascari. Ça va être le dernier tour et ça va être compliqué de réussir à Gustavo. White flag, one more lap to go, keep going. Le pire, ça ne m'ennuierait pas d'être derrière avant les. Avant la parabolique. On verra comment ça va se passer. Derrière après lui, il y a Laurent, donc il y a de la marge. J'ai plus rien. Oh, il s'est loupé. Il s'est loupé. Et là, ça va être ma seule chance de garder cette 7ème place. Il faut que j'attaque. Pas d'erreur. Quand même, parce que Gustavo derrière est largement capable de revenir en quelques virages, surtout avec les longues lignes droites de Monza. L'accident devant Agnew Madsen, est-ce qu'on va pouvoir lui shipper sa 6ème place? Ah, ça va être dur. Oh, derrière, il s'est loupé. On va tenter le tout pour le tout. Et voilà, 7ème place. Ouais, je pense que cette course, c'est un peu la course typique, en fait, où il faut... Pour rester sur ses gardes, ne pas jeter n'importe où, bien observer ce qu'ils font devant. Putain, le final. Oh, j'ai eu chaud. Combien tu finis? T'as réussi à résister à
Celui qui était derrière? Non, j'ai perdu ma place sur les un des deux là. J'avais plus de pneus. J'ai trop allumé toute la course. Voilà, sur Gaffensu, t'as pris enfin, la planche, il était limite avec toi. Bah, je voulais pas qu'il me touche. Hein, putain. Ah bah ça, cette course, fallait vraiment regarder devant ce qu'il faisait quoi. Moi, à chaque fois, je sentais les coups venir donc. Par contre, toi, tu l'as échappé belle. Hein. Ah, quand il spin comme ça, faut toujours aller à droite. Ah, c'est un truc de ouf. L'autre, il est revenu sur la piste, t'es passé à 5 mètres près, je crois. Ah, je vais revoir ça au replay parce que. Bah, j'ai eu la même chose. Laurent qui a mis un OTA juste avant là. Enfin, mis OTA. C'était obligé que ça allait finir comme ça. Hein. Ça passe jamais à deux. J'ai fait pareil. Que 3, là. Ah, ouais, mais. Et l'autre, comment il s'appelle là, Michioye Juste avant Ascari, là, t'es 3 de fond, je passe par la gauche, il me serre contre le mur, mais. Ouais. C'était vraiment et chaud. En fait, il a voulu faire le malin avec un autre mec aussi, la laser. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais. Et bah, l'autre, il l'a touché. Ah, ouais, c'est. Et tu l'as reconnu, c'est celui de hier, à la fin. Ouais, c'est ça, c'est le même. J'ai regardé l'action parce qu'à un moment, je l'ai vu, il est parti en live. Du coup, j'étais regardé ce qui s'était passé. Et pareil, il a serré, il a voulu serrer, donc l'autre, il s'est recollé derrière, mais au freinage, bah, il a mis. Je sais pas comment ça s'est passé, il a mis un petit coup et puis bah il est parti en live et puis bah, il finit 19ème. Il s'est bien fait pour sa gueule. Hein. Ouais, franchement, ouais, lui mérite. Tu vois qu'il est dégueulasse, il fait des décalages à chaque fois là, au dernier moment. Ouais, ouais. En fait, c'est ça, ces mecs là, faut pas les taper. Franchement, il faut leur faire juste un petit coup histoire qu'ils dégagent. Quand il comprendra, bah, il arrête. Par contre, c'est le genre de mec à se venger aussi, quoi. Ouais, peut-être. Bon, il est quand même assez propre, hein, au niveau. Mais c'est vrai que pour ça, il est agressif, quoi. Pour le tout-plus, c'est chiant, quoi. Allez, on va voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça va, 7 et 10. Bon, inespéré en plus. Sauf 3276. Honnêtement. Ça a l'air de rouler fort là en Porsche sur Monza en tout cas. Bah là tout le monde se tient quoi. Bah c'est ça le problème. Ça roule pas si fort que ça. Hein. On est super lent dans les chicanes avec leurs conneries là. Chaque fois ils sont en tout wide là, t'es obligé de freiner derrière parce que sinon. Non, enfin, ce que je veux dire c'est que ça fait des grosses bagarres. Regarde, le tour 2 et 3 j'étais en 51. Après on était en 52. Bah 53. Ouais. Ah c'est ça. Et encore 53-8 j'ai fait à un moment donné. Le dernier, tu imagines? Ah, je peux dire, quand je me suis retrouvé tout seul là, après, j'étais bien content de pas avoir trop d'appui parce que sinon derrière il m'aurait topé direct. Par contre, devant ça s'était envolé. Bah, le problème c'est ça, Monza, comme il dit Laurent, tu vas tourner en 53 et devant ils vont tourner en 50-51. Quoi. Mais je sais pas, les mecs ils se rendent pas compte en fait, mais qui perdent un temps fou à se doubler à chaque chicane comme ça là. Nicolas Laplanche il était impatient aussi. Hein. Il a spin parce qu'il était je sais pas combien là, il était bien placé. Bah écoute, là il finit 11 avec, en ayant perdu 5 places, donc il était parti 6ème. Ouais, il était parti 6. Mais il avait l'air d'être plus rapide que toi, Lolo. Ah oui, en plus, oh, lui c'est clair. 4 dixièmes. Parce que là encore, si t'avais bien remonté sur les freinages, fallait voir ce que tu mettais. Non, mais moi j'avais plus de freins, j'avais plus de pneus. J'étais en surchauffe. Et le problème, c'est que pour récupérer la température, il faudrait que pendant 3 virages je m'arrête. Ah, même toi, quand t'es passé, quand il y a eu le crash là, au 11ème tour, 10ème tour, il y a les voitures partout quoi. Bon bah merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous demain pour le Blancpain Endurance Series. Salut !